tous, désolée pour ma tête. Alors là c'est retour des courses du mois. Donc je vous avais dit dans ma précédente petite vidéo, je sais pas si ça va être dans la même vidéo, que je devais faire du coup des économies. Et du coup ça commence par faire les courses du mois. On a un budget, moi et ma soeur, donc on s'était dit 150 chacune pour faire les courses du mois. Alors je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc pour commencer, j'ai acheté du fromage, on a fait rayon par rayon. Après il manque quelques petites choses encore. Donc là j'ai acheté le boursin de trio de noix. J'ai acheté ceux-là, j'ai également les tartares, donc ceux-là c'est mes préférés, ail et fines herbes. Ceux-là j'aime trop avec du pain, du bon pain croquant, c'est vraiment trop bon. Ensuite du boursin figues et noix. Moi c'est plutôt ail et fines herbes que j'aime trop, ça c'est plutôt pour ma soeur et ma mère qui aiment ça. J'ai acheté du kiri, donc pour cuisiner avec de la purée et tout, ça passe très bien. C'est bon pour mon fils. J'ai acheté donc ça, le panier de soja et blé. C'est vraiment trop bon, je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment trop bon, ça change, c'est comme du poulet. On a l'impression que c'est du poulet, franchement c'est vraiment trop bon. Donc j'en ai acheté deux. Encore rayon fromage, j'ai acheté une bûche président aux chèvres. J'ai acheté le caprice des dieux. Je sais pas si j'ai déjà goûté ça. Je crois que j'ai déjà goûté. Mais ça, je m'en rappelle plus. Du coup, j'en ai acheté pour regoûter parce que j'aime trop le fromage, moi. J'ai également acheté de la purée légumes anciens. Également de la purée carotte, potiron, patate douce. Des croustibates, j'en ai acheté deux. Il y avait une promotion, donc c'est Findus. Un gros paquet de mozzarella. Donc il y a plusieurs petits paquets à l'intérieur. Également le feuilleté épinard chèvre que j'aime vraiment trop. Là c'est mes préférés franchement. Et pour le petit déjeuner j'ai pris les Björg muesli raisin cassis cranberry myrtille. Donc ceux-là j'en ai acheté deux, mais c'est pas les mêmes goûts. Donc un muesli super fruit et un autre sans sucre ajouté. Il y avait une promo, c'était en promotion aussi. Ouais. Également des pâtes, je compte faire beaucoup de choses fait maison. Donc là des pâtes brisées, j'en ai acheté deux. Ici on a du cachet, très indispensable. Également du fromage râpé pour mes pâtes, pour mes spaghettis. Des wraps. Voilà, je compte faire des mini wraps comme ça. De toute façon, je vous montrerai tout, comme d'habitude. Ma petite brioche préférée du matin. Du thon à la sauce tomate. Et aux herbes de province. Des champignons de Paris, comme dirait ma mère. Ah oui, les champignons de Paris. Je croyais qu'il n'y avait pas écrit. Liquide vaisselle. Il y avait des petits qui étaient en promotion, mais en fait, le grand est moins cher que les trois petits. Bref. Tout un calcul aussi. Enfin, faut faire attention aux promotions, parce qu'il y en a qui ne vaut pas le coup du tout. Des petites tomates cerises. Des bouillons de légumes, j'en ai acheté plusieurs. Je vous montre, donc déjà j'ai acheté cela aux légumes. Il y a de la farine pour
des gâteaux, pour des petites choses comme ça qu'on va faire. Normalement ce mois-ci, on va voir. Là, il y avait des promos aussi pour le lot de 3 macros à la moutarde à l'ancienne, mes préférés ceux-là. Vous voyez, j'ai plus de place, madame. Des céréales, donc ceux-là, j'en ai acheté 2. C'est des Haudebert, Haudebert. 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 J'ai lu Haudebert. Pardon, Haudebert. 6 céréales, j'aime beaucoup ceux-là, ils sont bons. Donc j'ai acheté beaucoup d'épices parce que ça apporte de la saveur. Alors j'ai acheté grillade aux herbes. J'ai acheté une chose. Déjà. Ah oui. D'où la lingette? Je pense que c'est la lingette. Ah non, c'est bon. Également du beurre. Bon, du beurre, bien sûr, pour cuisiner. Du beurre demi-sel. Trop bon avec du pain. Ça faisait un moment que je n'en avais pas mangé. J'aime vraiment trop. Surtout dans l'avion, il y avait un petit beurre comme ça, demi-sel, j'aime trop cela. C'est les mêmes en fait, j'ai acheté la même marque, parce que ça me manque. J'ai également acheté du riz au lait à la vanille. Trop bon aussi. Ensuite, j'ai acheté de la crème légère, de la marque Auchan. Câlin extra 0% pour le matin, j'aime bien manger ça. J'aime bien ouais, manger ça. Comme yaourt. Donc des fruits, bah, des bananes. On a déjà des oranges. Après ça, il va falloir toujours en acheter hein, au cours du mois. Donc là, on a aussi les Activia goût muesli aussi. Ça, c'est ma mère qui aime trop ça. On en a acheté 3 paquets. En même temps, je désinfecte pour pouvoir les ranger. Ah ouais, j'enlève. Donc comme je vous disais, pour tout ce qui est épices, j'ai acheté du coup du cubor. Hop, j'ai acheté du poivre. Donc légumes du soleil aussi, c'est très bon avec les légumes. Et avec de la viande. Donc là on n'a pas acheté de viande du tout, ça c'est à part. À la boucherie, on achètera par la suite. C'est tout ce qui manque normalement, je crois. Peut-être du lait, des petites choses comme ça. Mais là, c'est vraiment les essentiels. Donc voilà. Hop, les Magie sauce poivre vert. C'est vraiment trop bon avec de la viande. Ah bon, je ne montre pas ça. Également des crackers. Haudebert. Au blé complet. Très bon. Très bon aussi. Nous avons des navets. Voilà. Macro à l'huile d'olive. Donc il y en a 3, c'était en promotion aussi. Nous avons des oignons rouges. Et pour finir, nous avons le Garnier Bio Vitamine C. C'est celui que j'ai, non? Ouais. Donc c'est celui... Celui-là, il est en stache. Anti-tache? Toi, t'as un stache, non? Anti-tache.
qu'il y a un petit tache sur le tuyau. Ça enlève toutes les taches. Ah bon? Bah regarde. Parce que j'ai pas pris le tube. Là-bas, bon, ma soeur a acheté celui-ci, donc c'est pour elle. Par contre, je sais pas si c'est exactement le même que celui que j'ai. Donc celui-là, c'est pour nourrir, pour lisser et illuminer la peau. Je sais pas si c'est la même chose qui est en pot. Celui-ci et moi, plutôt en tube. C'est à voir. Bon, bah c'est tout. Hein. Ouais. Donc voilà, c'en est fini pour les courses du mois. De toute façon, je vous montrerai par la suite ce que j'achèterai. Ça va être les petites choses comme la viande, etc. Donc voilà les essentiels, les plus gros achats dont on a besoin le mois. Et après, ça va être vraiment des petits trucs qui manquent. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Je vais manger et dormir. Salut! À tous. Donc là, je suis en plein ménage. Je range toute la salle de bain qui est vraiment bordélique. Il y a même un jouet. Donc voilà, je voulais juste vous dire. En même temps, je vais filmer quand je nettoie. Et je voulais vous dire également que j'ai fait tomber mon écouteur, mon AirPod. Franchement, dégoûtée. Je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber dans les rails. Donc le truc, c'est impossible que je puisse récupérer. J'ai parlé aux personnes qui s'occupent, donc qui sont à l'accueil là, pour leur demander s'il était possible de récupérer mon écouteur, parce que franchement, juste l'écouteur coûte 95€ quand même. Donc pour m'en acheter, ça va pas du tout être possible. Donc si je peux le récupérer, franchement, ça serait top. Ils m'ont dit que oui, qu'ils allaient récupérer le jour même et tout, le soir quand il y aura plus de circulation. Et au final, ils ne m'ont toujours pas appelé. Donc en gros, ils m'ont toujours pas récupéré. Donc voilà. Ensuite, le lendemain, je suis repartie le voir une autre personne à l'accueil. Je lui ai dit la même chose, j'ai dit qu'on devait m'appeler et tout. Il m'a dit on devait vous appeler, ouais, attendez, je vais regarder si on a un message et tout. Et ou sinon s'ils m'ont récupéré, rien du tout. Ensuite je lui ai montré où était mon écouteur. Je savais très bien l'endroit où il était. Je l'ai même vu, il était en train de regarder. Et le monsieur me dit oh, il n'y a pas de souci, je vais récupérer tout à l'heure. Donnez-moi votre numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Je sais pas, je crois qu'ils veulent pas me redonner. Pourtant, il y a juste à descendre et le récupérer. J'ai trop envie de le faire, d'y aller. On n'a pas le droit. J'ai envie de le récupérer, il me manque. Franchement, en acheter un autre, ça va pas être possible. Du tout. Attendez, je vais vous mettre là. En même temps, je sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est galère, c'est trop triste. J'étais dégoûtée quand je l'ai fait tomber. Et là, je recharge, je mets le savon.
Voilà, ça m'est fini pour la salle de bain. Je vais passer aux chambres de mon fils. Pour sa chambre, j'ai vraiment tout enlevé, tout balayé et tout. Salut à tous, alors je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté chez Kiabi. Kiabi. J'ai acheté un petit pyjama comme ça, Mickey, donc il y a Mini et Mickey. Il y a avec son petit pantalon comme ça en velours. Je sais pas si on... 4,50€, un truc comme ça. 4€. Donc voilà. J'ai acheté par contre une très grande taille. Hein. Comme ça au moins. C'est pour la suite, pour après quand il grandira. Voilà. Hop. Donc ça c'est juste à mettre dans les tailles grandes. Son petit placard pour les tailles grandes. Toi tu mets la titi et tu cries. Jette ta main, jette à la poubelle bébé. Tu jettes à la poubelle? Voilà, je suis en train de faire le tri, donc là je vais mettre ça à la machine à laver. Hop. Voilà, on met ça à la machine. Là je vais ranger un peu ce que vous voyez derrière. Tu mets tout par terre? Oui? Pourquoi tu mets tout par terre bébé? Donc demain on a un rendez-vous à l'extérieur, donc il va falloir que j'ai son sac à langer et j'ai mis déjà tous ses jouets pour qu'il puisse se divertir si c'est trop long. Oh mon bébé bobo comédie. Je suis comme ça pour les crêpes, comme c'est la chandeleur. Oui bébé, je compte faire des crêpes ce week-end, normalement. C'est mieux le week-end, j'ai plus de temps et on est plus dur à pouvoir manger. Tandis que en semaine comme ça, c'est un peu compliqué. Surtout que demain, je vais avoir des choses à faire. Voilà, donc là, hop, fin de journée, on range tout. Donc le bavoir qu'il va falloir que je lave. Hop. Ça c'est à laver. Ça c'est à recharger. À ramener de chez elle. Voilà, elle me les a offerts. Des petits verres comme ça, de toutes les couleurs. Pour les jus, etc. J'en avais pas du tout. Franchement, les verres, j'ai pas du tout de verre chez moi. Il va falloir que j'en achète. Comme c'était pas la priorité, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Mais il faut vraiment que j'en achète. Parce que s'il y a des personnes qui viennent, des invités, il va falloir quand même leur servir du jus ou quoi. Donc il faut que j'en achète. Est-ce que je m'en donne ? Donc voilà, je range un tout petit peu comme ça. Il faut que j'achète aussi, vous voyez, les trucs pour les épices. Dites-moi en commentaire si vous voyez où je peux en acheter des biens et des pas chers en même temps. Peut-être chez Action. Chez Action, Jérémy ? Je pense que c'est Action, c'est mieux ?
faut que je trouve où acheter. Hop. Donc ça, il faut que je range ça. Il faut que je range ça. Bah oui, bébé. Il faut qu'on range. Hein? Il faut qu'on range? C'est quoi ça? Sensu. En tout cas, il est vraiment mignon. Merci. Je l'aime tellement. Je vais pas te mentir. Je suis trop amusée. J'ai fini par m'en mettre. Et j'ai aucune envie d'avoir un enfant en voyage. Ce dont j'ai besoin, c'est de stabilité dans la vie. D'ailleurs, le rencard, c'est du mort. Donne à maman la tétine, Jélène. Non, celle-là, donne à maman. Tiens, toi, tu prends celle-là. Tu prends celle des grands. Je vais changer la tétine, je suis passée au 6-18 mois. Parce que du coup, elles sont plus grosses que les petites. Logique. C'est les petites. Et maintenant, c'est celles-ci. Elles sont un peu plus grosses. Ouais. Et on va mettre le petit collier comme ça, pour pas qu'il la perde. Tiens. Hé hey. C'est quoi cette arnaque? Tiens. Mais c'est parce que c'est vraiment très urgent.
il prend toujours les petites, il préfère les petites. Mais il faut pas. C'est les grandes qu'il faut qu'il prenne. Hop. Alors. Ça, c'est le yacht qui n'a pas fini. Ça, je vais mettre ça dans sa petite trousse pour le changer, pour changer ses couches. Et là, on va ranger, on va nettoyer ça et on va jeter le reste. Alors. Ça, c'est à laver. Doucement. Tiens, maman. Des symptômes sont non spécifiques. Eh, ça vous embêterait de parler en humain? C'est pour ça que vous avez mal. Elle va s'en mettre. On me suit partout. Quand j'ai la caméra, c'est... Il a trop envie de prendre la caméra dans ses mains. Oui, Jaylen. Alors, du coup, là, je vais mettre son tablier dans le lavabo le temps que tout se soit bien humide pour pouvoir enlever les taches plus facilement. Ouais, bébé. Oui, bébé. Voilà, donc je laisse. Je mets de l'eau tiède. Et j'attends que tout ramollisse. Regardez ces petites. Regardez ses petites mains, regardez, toujours ici bébé. Voilà, je laisse et j'attends que ça se ramollisse. Et ensuite je vais bien nettoyer. Voilà. Je mets un petit peu d'eau. Oh, ça n'a pas bouché. Je refais. J'ai mis de l'eau comme ça, j'ai bouché l'évier. Comme ça, ça reste bien à l'intérieur, ça ramollit bien comme il faut. Ah bon? J'aimais. Voilà, je laisse comme ça. Maintenant, je vais ramasser tout ce qu'il a jeté par terre et on va passer à l'aspirateur. Ensuite, on va faire la serpillière avec mon prince. C'est parti, viens, Jaylen, viens. Attention, attention, la marche, parce qu'il y a une petite marche. Doucement, bravo! Il boot, il boot. Il va falloir aussi que je range ça, il n'y a plus rien dessus. Hop. Hop. Je vais ranger et on se retrouve tout à l'heure.